Je voudrais dire à quelqu'un qu'au fait, peu importe ce que tu pourrais traverser en ce moment-ci, Christ, lui, a eu compassion en toi. Il a eu compassion. Il te connaît. Il connaît ta vie. Il sait quel mal tu fais. Il sait comment tu le fais. Il sait combien de fois tu es tombé. Combien de fois tu as essayé de te relever, mais tu n'es pas arrivé. Il veut aujourd'hui te partager sa compassion, te dire qu'il te connaît et qu'il t'attend, en fait. Et c'est cette chanson que je voudrais partager avec quelqu'un aujourd'hui, pas comme un chant, mais comme des paroles que je voudrais déposer dans le cœur de quelqu'un, qui dit simplement « Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oui, mon Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus. Jésus est amour, il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour, il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin, il sait lire au-dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour, plein de compassion, plein de compassion. Il est amour, Jésus est amour. Voilà, c'est parce qu'il est amour qu'il peut ressentir ce qu'aucun homme ne peut ressentir. Qu'il est capable de lire au-dedans du cœur de quelqu'un, de tendre la main à celui qui est faible, de le tirer de ce gouffre dans lequel cette personne peut se trouver. Ce matin, je voudrais juste dire à quelqu'un que Christ et compassion au point de ressentir ton cœur. Tu n'es pas seul dans la situation dans laquelle tu es. Sa compassion vient vers toi. Sa compassion est sa nature. Et sa compassion, c'est ce qu'il veut te partager ce matin. Il veut partager cela à quelqu'un qui passe par des situations difficiles. Il veut que tu saches, il veut que quelqu'un sache ce matin
qu'au fait, tu n'as pas besoin de t'attarder sur le fait que le monde te rejette. Lui, il a pris ta place beaucoup de temps avant. Il t'a aimé malgré que tu ne l'as pas mérité. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que toi aussi, tu puisses venir vers lui, au fait. Et que tu lui donnes ta vie. Il saura quoi en faire.